La librairie NumPy. Tu utilises Python pour traiter des tableaux et des matrices énormes Alors cette vidéo est pour toi. Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe. Ensemble, nous allons découvrir la librairie NumPy. C'est parti Souviens-toi, en Python, dans un tableau, on va pouvoir mettre ce que l'on veut. On peut mélanger des nombres, des chaînes de caractères et même des objets. Pour conserver des données, c'est pratique. Mais pour faire des calculs mathématiques, c'est un peu plus galère. Heureusement, la librairie NumPy est là pour nous aider. C'est en effet une librairie qui va nous permettre de réaliser des calculs mathématiques complexes sur les tableaux. Elle est très utilisée notamment pour le machine learning. NumPy va nous permettre de créer et surtout manipuler des tableaux de nombres. Et contrairement aux listes classiques, un tableau NumPy ne peut contenir que des membres que d'un seul type. Ce type est soit automatiquement déduit à la création du tableau, soit spécifié. S'il y a plusieurs types dans ton tableau, il va prendre celui qui convient le mieux. Ici par exemple, on crée un tableau avec uniquement des entiers, alors qu'ici, c'est un tableau de flottants. Car le premier, c'est un flottant. Ce qui est pratique avec NumPy, c'est que l'on va pouvoir créer des tableaux à n dimensions. Et surtout, on va pouvoir faire plein d'opérations dessus très rapidement. Pour créer un tableau NumPy, on peut le définir à partir d'une liste Python ou encore par compréhension comme les listes. Mais NumPy offre plein d'autres fonctions pour créer tes tableaux. Avant d'utiliser NumPy, n'oubliez pas de l'installer avec un pip install NumPy. Une fois qu'il est installé, on peut l'importer. Et ici, on va l'appeler np pour que ce soit plus simple. Pour créer un tableau. En fonction d'une liste, c'est pas difficile. On fait np.array et on passe la liste en paramètres. Donc, ici par exemple, si on passe 1, 2, 3, hop, il nous crée un tableau 1, 2, 3. Si on veut un tableau rempli de 0, on fait np.0 au pluriel, zeros. Et là, il nous crée un tableau rempli de 0, mais attention, comme on n'a pas spécifié le type, il nous a mis des flottants. Si on veut des entiers, on fait np.0 aussi, de 10, et on spécifie int. Si on veut des, euh, des 1 au lieu des 0, et eh ben on fait np. Once. et là il va nous mettre que des 1 et on peut aussi créer une matrice car avec numpy on peut travailler avec des matrices de dimension n et donc on peut créer par exemple une matrice remplie de nombres entiers random donc on va mettre randint on donne ici la limite basse 0 la limite haute on va donner 100 et là on donne la forme de notre matrice donc le shape comme ils disent en anglais donc ici on va faire une matrice 3 3 3 lignes 3 colonnes et là on a créé une matrice 3 lignes 3 colonnes avec que des nombres euh, choisis au hasard. Une fois ton tableau créé, tu vas pouvoir accéder aux éléments de différentes façons. Si c'est un tableau à une dimension, tu vas accéder à chaque élément avec son index en partant de 0. C'est comme avec les listes. Pour accéder aux éléments, rien de plus simple, on va utiliser les index comme on fait avec les listes. Si par exemple on tape A de 0, bah ici on va obtenir la première ligne car c'est un tableau. Par contre si on tape A de 0,0 par exemple, hop on va obtenir le premier élément, A01, le premier élément, euh, plutôt le deuxième de la première ligne, etc. Et on peut aussi affecter des valeurs à nos éléments. Si on fait A de 0 égale 1, hop, il a remplacé toute la ligne par 1, car on a mis la ligne. Si on fait A de 0,0 égale 100, il ne remplace que l'élément. Attention ici, si votre matrice est une matrice d'entiers et que vous nous donnez un flottant, il va l'arrondir. Si vous faites par exemple A de 0,0, égale 2.18 et eh bien en fait, il va prendre 2 il ne prendra que la partie entière un tableau NumPy va avoir plein de propriétés intrinsèques, par exemple on aura avec nDim sa dimension, c'est à dire ici par exemple c'est une matrice d'ordre 2, donc c'est dimension 2 on aura sa taille size, là c'est le nombre total d'éléments, on aura sa forme, shape, et là on voit par exemple, on voit que c'est une matrice de 3 lignes 3 colonnes, et on peut avoir aussi le type des éléments qui la composent, ici par exemple, on s'aperçoit que ce sont des entiers sur 32 bits. Et pour finir, NumPy permet de faire plein d'opérations sur les tableaux. Et c'est une librairie vraiment puissante et rapide. Tu peux faire des opérations de base comme les additions ou autres multiplications, mais tu peux aussi faire la somme de tous les éléments, par exemple. Voyons sur un exemple. Tu vas vite voir la puissance de NumPy. Pour que tu te rendes compte de la puissance de calcul de NumPy, je te propose un petit programme qui va faire la somme de tous les composants de tous les éléments d'une matrice. Pour cela, on va utiliser np. Et on va utiliser timeit, qui est une librairie qui va nous permettre de calculer le temps que mettent nos fonctions. On va faire, par exemple, une matrice de 2000 par 2000. Ça nous fera 4 millions d'éléments. De, de, donc, on va créer une matrice en random, donc avec des entiers compris entre 0 et 100, et qui va faire donc 2000 taille par taille, hein, 2000 par 2000. Hop. On va noter le temps de départ, donc tm.default timer, donc ça c'est la, la librairie euh, time it qui va nous permettre de, de timer, de, de, de calculer quoi, le temps. Donc somme égale 0 c'est notre somme pour tous les x donc qui sont entre 0 et la taille donc de 0 à 2000 donc ça c'est on parcourt la ligne pour tous les y qui sont aussi entre 0 et 2000 donc, on va faire 4 millions d'opérations. On va faire somme plus égale. Et donc, on va faire x, y. On va afficher notre somme. On va l'appeler somme 1. Égale, somme. Et on va afficher le temps que ça nous a pris. On va mettre TPS1. Égale, qui va être égal. Ben on reprend notre timer. Donc, sa valeur où il est maintenant. Faut timer. Moins start time, voilà, et je vous propose de refaire la même opération, mais en utilisant non pas une boucle comme on vient de le faire, mais plutôt la fonction somme de numpy, et là vous allez voir la différence de puissance, donc on fait juste z.sum, et là pareil, il va additionner tous les éléments de notre matrice, somme de temps 2, donc on remet bien notre timer, etc., on sauvegarde, on teste. Voilà, là par exemple, on s'aperçoit que pour faire les 4 millions de calculs, si on fait dans une boucle, ça nous prend à peu près 750 millisecondes, ce qui est déjà pas mal, ce qui est plutôt honorable, c'est déjà rapide. Mais NumPy, lui, arrive à faire le même calcul en moins de 7 millisecondes. Donc, c'est 100 fois plus rapide. Voilà, tu en sais un peu plus sur la librairie NumPy. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.